Anne. Dis-moi, Catherine, s'il te plaît, quel temps fait-il selon les prévisions météo à la télé? Ai-je besoin de parapluies ou d'autres équipements de protection? Catherine. Je ne le crois pas. Le ciel sera clair et un peu nuageux ailleurs. Anne. Et les températures? Catherine. Les températures minimales montent doucement et les maximales seront autour de 23 degrés en ville. Anne. Et concernant les précipitations, que disent les prévisions? Catherine. Les précipitations apparaîtront vers midi sous forme d'averse. Anne. Je veux aller à la montagne ces jours-ci. Qu'en penses-tu? Catherine. À la montagne, les températures baissent doucement. Les températures maximales sont de 18 degrés. Le vent est faible et modéré ailleurs. Anne. Alors, où me conseilles-tu d'aller? Catherine. À la mer, puisque les températures seront de 29 degrés. Il fait certainement très beau là-bas, sans précipitation, au moins pour 3 ou 4 jours. Le soleil brille fort. Anne. Merci beaucoup. Alors, j'irai à la mer. André, dis-nous les numéros cardinaux des 1 à 10, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo, André. Et maintenant, voyons qui s'est compté des 11 avant. Dis, Alice. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bravo Alice. Allons un peu plus loin et rappelons-nous comment sont formés les numéros de 20 à 100. Qui sait nous dire? Dis Michel, s'il te plaît. Les numéros cardinaux de 20 à 100 sont formés tels qu'ils suivent. Les numéros cardinaux de 20 à 100 ont des formes simples 20, 30, 40, 50, 60, 100 et composés soit par addition 22, soit par multiplication 80, soit par addition et multiplication à la fois. 81. Les unités ajoutées aux dizaines vont des 1 à 9, sauf avec 60 et 80, où les unités vont des 1 à 19. 73. On met en traite d'union entre les éléments qui sont l'un et l'autre inférieur à 100, sauf s'ils sont joints par « et », qui remplace alors le trait d'union. 79 mais 21. La conjonction « et » s'emploie pour rejoindre « en » aux dizaines, sauf 81 et dans 71. Je te félicite, Michel. Et pour conclure, récapitulons les numéros ordinaux des 1 à 10.
Qui peut nous aider? Oui, Félicie, écoutons. À l'aéroport. Marie. Bonjour, madame. L'employé. Bonjour. Votre passeport et votre ticket d'embarquement, s'il vous plaît. Marie. Les voilà. L'employé. Voyons, c'est le vol pour Paris. Oh, malheureusement, l'avion a une heure de retard. Marie. Ce n'est pas possible. L'employé. Oui, c'est à cause des conditions météo. Mais ne vous inquiétez pas, on peut faire l'enregistrement. Marie. C'est très bien. L'employé. Les bagages, s'il vous plaît. Voyons, vous avez seulement un bagage à main. Marie. Oui, seulement celui-ci. C'est un voyage d'affaires pour une journée. L'employé. Pour le bagage, vous ne devez rien payer. Il est inclus dans le prix du billet. Tout va bien. Voilà votre ticket d'embarquement et votre passeport. Vous pouvez vous rendre à la porte 2. Bon voyage. Marie. Merci. Dans l'avion. L'hôtesse de l'air. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à bord de l'appareil 543 à destination de Paris. Nous vous informons les détails concernant l'équipement de cet appareil. Chaque siège a une ceinture de sécurité qui doit être attachée. Observez comment les ceintures s'attachent, s'ajustent et se détachent. Pour votre sécurité, nous vous prions de maintenir vos ceintures attachées pendant tout le vol lorsque vous êtes assis. En cas d'urgence, gardez vos sièges avec les ceintures attachées. En cas de dépressurisation de la cabine, les masques d'oxygène qui se trouvent au-dessous tomberont automatiquement à votre portée. Placez-les sur votre visage et respirez normalement. En cas d'atterrissage d'urgence, prenez la position de sécurité telle qu'elle apparaît sur les dépliants situés devant votre siège. En cas d'amerrissage, vous trouvez sous vos sièges les gilets de sauvetage. Le gilet doit être enfilé tel que les assistants de vol vous le montrent et gonflé seulement hors de l'avion. Merci de nous avoir accordé votre attention et nous vous souhaitons un très bon voyage. L'hôtesse de l'air. Voulez-vous quelque chose à boire ou à manger, madame? Marie. Oui, un verre d'eau et un sandwich, s'il vous plaît. L'hôtesse de l'air. Voilà. Désirez-vous autre chose? Marie. Non, merci. Après 2 heures. L'hôtesse de l'air. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à Paris. La température est de 15 degrés et le ciel est clair.
Merci d'avoir choisi notre compagnie. Je commence la semaine en faisant un plan pour les jours suivants. Nous allons à la mairie au cours de la journée de mardi. Tu iras de nouveau aux achats ce mercredi-ci? Il joue dans une pièce de théâtre ce jeudi-ci. Vous lavez le linge et nettoyez votre maison le vendredi soir. Elle revient chez les coiffeurs samedi matin. Ils vont en excursion au bord de la mer dimanche tout au long de la journée. Jeanne. Salut, je m'appelle Jeanne. Paul. Bonsoir, moi c'est Paul. Jeanne. D'où es-tu? Paul. Je viens de New York. J'ai 21 ans et je suis américain. Et vous? Jeanne. Je suis de Londres. J'ai 35 ans et je suis anglaise. Que fais-tu ici? Paul. J'étudie la médecine. Jeanne. C'est très joli. Je suis ton professeur. Paul. À quelle heure commence le cours? Jeanne. Il commence dans 5 minutes. Paul. Voilà un de mes amis, Marion. Lui aussi est étudiant, mais en médecine. Jeanne. Maintenant, entrons dans la classe pour commencer le cours.